Bonjour à tous, le Zorkiller qui vous parle donc pour la suite du calendrier de l'Avent Lego Friends. Et donc aujourd'hui, on est mercredi 9, si je ne dis pas de bêtises. On est à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que je vais devoir tout pousser pour voir la casse, parce que sinon je risque de tout casser, je pense. Et on va voir eh bien, un peu ce qu'on a. Je vous rappelle qu'hier, si je ne dis pas de bêtises, on a eu donc une enceinte, voilà, pour accompagner le micro, pour faire une petite représentation musicale. Et donc aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la question, comme d'habitude, du calendrier de l'Avent. Alors, voilà. Ok, d'accord. On a réussi. Oh, et visiblement, je vois quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs. Et oui, on va avoir le saxophone plus un petit stand pour le faire tenir, tout comme le micro, et effectivement micro et saxo qu'on avait déjà vu ensemble ici et là. Voilà. Donc, vous allez voir, ça va être très rapide parce que il y a à peu près 4 pièces. Voilà, donc juste, vous voyez, bon. Alors, bien évidemment, elle est là encore, hop là, hop, comme ceci, histoire qu'on voit bien. Et donc, dans l'idée, là, une fois une. Une fois une avec une petite accroche à clip, comme vous pouvez le voir, les deux, je vais bien les aligner. Au-dessus, je mets une petite fleur, comme ça. Voilà. Et donc ça, j'ai mon stand qui est fait. Et bien ensuite, le saxophone qui est quand même plutôt bien réalisé, comme vous pouvez le voir. Hein. Beaucoup de petits détails assez intéressants. On verra. Il est vraiment bien réalisé, je trouve. Voilà. Et donc dans l'idée, on va prendre Lisa. Vous allez l'accrocher ici, comme vous pouvez voir, vous avez bien une différence en termes d'épaisseur du cylindre. Donc voilà, vous l'accrochez à ce niveau-là, et donc vous pouvez faire comme si elle jouait du saxophone, même si, voilà, comme vous pouvez voir, sur ce côté, ça ne fonctionnera pas du tout. Il n'y a pas, voilà, à part ici, vous avez une accroche encore, mais sinon, à part ça, voilà, ce sera ici. Ou alors, effectivement, vous pouvez l'accrocher comme ceci sur le petit socle. Et d'ailleurs, en termes de taille, 2 secondes, voilà. En termes de taille, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc nous, on va le mettre, eh bien, je pense, à côté. Pour l'instant, on n'a pas encore de seconde enceinte, donc là, je vais le mettre à ce niveau-là. Je remets Lisa ici. Je vous rappelle que j'ai une petite fleur en pièce bonus. Et puis, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, pas vraiment des masses de construction, un modèle plutôt simple. Voilà, nous, au moins, comme ça, visiblement, on a nos deux filles qui sont parées pour la représentation musicale. Donc, comme ça, vous pouvez commencer à jouer un peu avec ces deux accessoires en duo. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, on se retrouvera demain pour le jeudi 10, qui est ici, dans le coin. Voilà. Et puis, pas grand-chose de plus à en dire. Par contre, si vous, comme d'habitude, vous avez des choses à dire, des questions à poser et des commentaires à faire, eh bien, n'hésitez pas. Je dirai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, ou ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.